automne. J'ai été très inspirée puisque c'est ma saison préférée, donc voilà, c'était assez facile pour moi. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je vais utiliser une petite cagette en bois que j'ai récupérée où il y avait des fruits et légumes et je vais venir cacher les motifs en blanc d'abord et ensuite je vais prendre ma couleur que j'ai choisie qui est un cuivré. C'est vraiment une très très jolie peinture que j'ai trouvée chez Cultura pour dans les 4 euros à peu près. C'est un tout petit peu plus cher qu'une peinture habituelle et pendant que ça sèche je vais venir prendre mon pistolet à colle et des petits morceaux de bois, c'est pareil, ça vient de chez Cultura et je vais reprendre une bougie que j'avais déjà et on va venir la rendre un petit peu plus sympa. Je vais poser de la colle sur chaque petit morceau de bois, ensuite je vais venir le coller sur le verre. Je vais le coller bien droit pour pas qu'au fur et à mesure ça se décale et ce soit de travers. Et attention juste au doigt, faites attention de le tenir de façon à ce que vous puissiez le coller immédiatement après avoir mis la colle. Et voilà, on fait ça tout le long. On joue un petit peu avec les épaisseurs et les formes, comme ça, ça le rend un peu plus intéressant. La deuxième déco de ce premier DIY, je vais prendre de la corde. Également un pot à fleurs qui m'a coûté dans les 1-2 euros chez Ikea et toujours mon pistolet à colle. Je vais commencer par déballer la corde et venir coller le bout. Ensuite, en faisant attention de ne pas me brûler, je tiens le bout tout en le serrant et je vais appliquer de la colle pour pouvoir justement coller le premier tour de la corde. Donc c'est pareil, je serre bien et je tourne. Attention à ne pas se brûler, je mets mon doigt à chaque fois à un endroit, enfin en tout cas j'essaye la plupart du temps de mettre mon doigt à un endroit où je suis encore loin de la colle et je fais ça tout le long. C'est assez simple, le plus compliqué c'est là en fait, c'est de venir fondre le bout avec le premier tour et on vient bien le serrer et on le colle bien, vous verrez c'est assez subtil et donc on fait ça tout le long. Pour ce DIY, je vais utiliser une plaque à dessin, alors ça c'est parti d'un ensemble de 3, il y avait 3 tailles différentes, des perles créatives, toujours mes petits morceaux de bois, mon pistolet à colle et de la corde, également ma peinture cuivrée. Je vais commencer par repeindre la plaque à dessin avec ma peinture. Pendant que ça sèche, je vais prendre mes perles créatives et je vais venir écrire un petit peu ce que je veux. Là j'avais envie d'écrire Fall in Love qui est un jeu de mots. Puisque fall veut dire automne, vous l'aurez compris, je vais venir coller, d'abord je trouve l'endroit où j'ai envie de les coller, ensuite je colle à l'endroit qui me plaît. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre de la corde que je vais commencer par caler en dessous en fait de la pince de la plaque à dessin et ensuite je vais venir la coller tout le long. Ensuite je vais prendre des petits morceaux de bois pour continuer à décorer ma plaque à dessin et voilà ce que ça donne. J'ai mis une jolie carte que j'avais dans un ancien agenda de chez Emma que je trouvais très jolie. Et voilà, voilà. Si jamais vous en avez marre de la couleur cuivrée, ce que je peux comprendre, hein, chacun ses goûts, évidemment prenez une autre couleur, en blanc ce sera très joli, en marron, peu importe. Pour ce prochain DIY, je vais prendre 3 couleurs de mon choix, et c'est facultatif, je vais prendre aussi un ruban magnétique, et des petites formes, c'est facultatif aussi. Je vais prendre du masking tape, je voulais juste préciser, parce que vous me l'avez déjà dit en commentaire plusieurs fois, qu'il est horrible d'utiliser du masking tape. Je précise quand même qu'il s'agit de masking tape que je n'aime pas du tout, et je l'ai acheté exprès à un tout petit prix pour pouvoir justement faire ce genre de choses. Donc ne vous offusquez pas que j'utilise du masking tape, ne vous inquiétez pas, le masking tape que j'ai, qui est très joli, je ne l'utilise pas pour ce genre de choses, au contraire. J'espère que c'est clair cette fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repeindre en orange. Alors attention, le orange va changer ensuite parce que le orange va me plaire
moyennement. Donc du coup, je vais le modifier ensuite. Je vais venir mettre du bleu clair et du bleu un petit peu plus foncé par endroits. Je repeins en même temps les petites formes. Je vais retirer le masking tape une première fois. Je vais utiliser du ruban magnétique. Alors, parce que moi, j'avais envie d'en faire un petit tableau magnétique où je pouvais mettre des aimants. Comme je vous disais, c'est totalement facultatif. Donc, je vais en mettre deux de longueur. Et je vais rajouter aussi des petits morceaux de ruban magnétique derrière la petite forme. Ensuite, je vais remettre du masking tape, comme je vous disais. Et je vais repeindre les morceaux que j'avais peint en orange, en cuivré, parce que je n'aimais pas trop le résultat. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!